Bon, Ahmed Yacine, tu peux larguer un petit causement pour ton public de Saint-Denis, s'il te plaît. Eh ben, franchement, j'espère que tout le monde sera présent ce soir, le 20 du coup, et qu'on enverra du spectacle pour vous. Inch'Allah. Tu connais ton adversaire ou pas? Oui, c'est Jordan. Il est là. Ben, bonne chance à lui et ouais, j'espère qu'on fera un super fight. Ok, à tout de suite pour le face-à-face. Merci. Pao, impressionnant. Qu'est-ce que tu peux dire aux gars du Sud pour qu'ils te suivent jusqu'à Saint-Denis la semaine prochaine, s'il te plaît? Déplacez-vous, ce sera chaud. Il y aura du spectacle. Ton adversaire, tu le connais? Oui, c'est Yacine Mangroya. Ok, on peut se retrouver avec lui sur le face-à-face. T'es bon pour ça? Oui, oui. Face-à-face. Le mot d'un. Hi hi, Big Up Rush Night, on se donne rendez-vous le 20 août à Saint-Denis. Aïe, ça va être chaud. Samedi, est-ce que tu penses que le port va se déplacer en masse pour venir te voir? Ben, j'espère bien. Alors, on s'est beaucoup préparé pour ça avec mon entraîneur. Et du coup, ben, venez faire le déplacement pour soutenir les boxeurs pour toi. Big up. Alors, c'est un adversaire qui a plus d'expérience. Qu'est-ce que ça te fait, toi, sur le plan psychologique, d'être un petit peu l'underdog par rapport à ça? Ben, pour moi, je suis un peu l'outsider. J'ai tout à gagner. Et donc, ça pourrait me faire connaître et du coup, je vais donner le meilleur de moi-même. Ok, big up, à tout de suite pour le face-à-face. Damien, comment tu vas? Écoutez, ça va super bien. J'ai très hâte et content de faire partie de cet événement. Après, comme on dit toujours, ce sport-là, c'est
c'est à forte incertitude. On ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, c'est sûr que j'ai la niaque et je suis prêt. J'espère que vous serez au rendez-vous le 20 août. Est-ce que la rage, c'est quelque chose qui te parle, toi? Oui, j'ai la rage de vaincre. Personnellement, oui. Ok, ben on va voir ça au face-à-face. Merci, le frère. Voilà, face-à-face, c'est bien. Rendez-vous le samedi 20 à la Rage Night. Beau spectacle, là, c'est bien. Bravo. Bravo. Vincent, tu peux nous larguer un petit mot sur Damien? C'est un combattant que tu suis depuis de nombreuses années. Est-ce que la rage, c'est quelque chose qui correspond à sa mentalité? Oui, mais c'est quelqu'un de humble. Mais oui, on peut dire ça, la rage, oui. S'il n'a pas eu des bons coups dans la vie, beaucoup de coups durs. Donc oui, bon, un combattant, il a besoin d'un peu de rage quand même. Il y a des limites, mais il a sa rage, oui. Il a la rage de vaincre. Et sur le plan, sur le ring, là, c'est quoi son profil finalement technico-tactique? Sans donner trop d'informations à son adversaire. Il est bien de striking. Grappleur, il est bien dans tout. Complet. Ouais, super, rendez-vous le 20. Merci. Rendez-vous le samedi 20 à la Rage Night. Beau spectacle là, c'est bien. Big up Rage Night, on se donne rendez-vous le 20 août à Saint-Denis. Step west, stay with the fucking party.